communiqué de presse d'Anonymous. Dans le cadre de l'opération Charlie Hebdo, nous vous joignons ce communiqué pour faire le point sur nos actions en cours. Nous vous annonçons que nous avons commencé à bloquer des comptes Twitter de djihadistes, ainsi que Facebook et des chaînes YouTube. Certes, cela prendra du temps, et ils s'essayeront d'en recourir, mais nous les traquerons jusqu'au bout. Nous combattons en mémoire de ces innocents qui se sont battus pour la liberté d'expression. Nous lançons aussi cet appel à vous les nuls. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de réagir et d'envoyer des soldats sur le terrain? La mission des soldats est de protéger les innocents. Pourquoi ne les protège-t-il pas là-bas? Normal, monsieur, c'est votre rôle. À vous les nuls, et vous ne réagissez pas. Si vous désirez être en sécurité dans vos pays, il faut commencer par les combattre là-bas, à la source. Mais hélas, vous ne faites que les bombarder en laissant les Kurdes sous armés se débrouiller seul. François Hollande, il serait grand temps de vous réveiller et de vous motiver à faire votre travail et non faire des coups de pub pour augmenter votre électorat. Vous avez fait des promesses et déclaré que le changement c'est maintenant. Pourtant, les citoyens n'osent plus sortir de chez eux. Ils sont terrifiés et c'est une vie pour eux dans un pays censé être libre d'expression et de droit. Nous réclamons des comptes et du changement, sinon nous prendrons d'autres mesure. Quand à vous Al-Qaïda et État islamique, votre fin est proche. Vous avez tué des innocents et blessé notre liberté d'expression. Cela sera votre perte contre nous. Vous ne pouvez rien. Nous ne sommes pas physiques. Nous sommes une idée, une cause juste, la voix d'un peuple libre décidé à se battre pour garder sa liberté. Une idée est à l'épreuve des balles et de vos chars. Nous demandons à tous les citoyens d'arrêter aussi tous les actes d'agression et de casse envers des biens appartenant à des musulmans. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il ne faut pas stigmatiser. Ces terroristes auraient pu être américains, chinois, russes, africains ou même français. Il y a des bons et des mauvais. Dans chaque pays, les hommes sont égaux. Aucun n'est dû, aucun n'a plus de droits qu'un autre. Ce n'est pas en incendiant leurs biens ou en les agressant que cela nous ramènera une victime et n'arrêtera pas non plus les deux tueurs en cavale. Focalisez-vous plutôt, allez chercher pour qui paye ce qu'ils ont fait. Agissons ensemble contre nos ennemis. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Craignez, nous attendez-vous à nos assassins. Exprimez-vous, pensez par vous-même, créez. Partagez, diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion.